C'est l'un des plus anciens parcs français, créé en 1967. Il s'étend sur 100 km le long de la crête frontière avec l'Espagne et couvre 2 départements et 6 vallées. Soyez les bienvenus dans le parc national des Pyrénées, plus précisément le Béarn, pour une émission qui va vous donner le sourire, vous émerveiller. Nous aurons en effet le privilège de suivre le bagage d'un jeune vautour, une opération délicate menée par des gardes passionnés et passionnants. Nous irons ensuite à la rencontre d'un jeune fermier de la Reims qui propose aux vacanciers de s'immerger dans son quotidien. Enfin, nous reviendrons ici, en Vallée d'Aspe, pour faire le point sur une opération ambitieuse menée depuis quelques années, la réintroduction d'une espèce disparue, le bouquetin. Cap sur le parc national des Pyrénées, au service de la nature. C'est sur la rive droite du Gave d'Ossau que se trouve la réserve naturelle nationale des vautours d'Astebéon, la plus grande colonie de toutes les Pyrénées. Créée en 1974, à l'initiative d'associations de protection de la nature, ce sanctuaire est géré par le Parc national des Pyrénées. En compagnie d'une équipe menée par Didier Perrusquet, référent rapace au parc, Eric se dirige vers un espace où la présence humaine est d'habitude totalement interdite. Quel est l'objectif de la sortie aujourd'hui, Didier ? Eh bien, c'est jour de fête. On s'approche de la réserve naturelle d'Ossau pour baguer des poussins de vautours fauves. Pourquoi ces falaises sont si recherchées par ces grands oiseaux ? C'est parce que le garde-manger est tout autour. C'est-à-dire qu'il y a des troupeaux domestiques. On est dans la vallée d'Ossau, dans le Béarn, Pays Basque, et 60% du troupeau domestique est ici. Donc s'il y a de la mortalité, les charognes, elles sont accessibles aux vautours. Et c'est au plus près des hommes, au plus près des bergers. Le vautour est à côté des hommes. Et c'est aussi l'endroit propice, puisque c'est un oiseau rupestre, il vit dans les falaises. On a de magnifiques falaises, tu vas voir. Et on a surtout, pour clôturer le tout, pour chapeauter vraiment, on a des bons courants aériens qui viennent porter ces grands voiliers de la manière la plus aisée. Il faut qu'ils se déplacent en quête de nourriture et ils le font même pour le plaisir. Alors là, l'équipe, ben, on est tous formés cordistes. Il faut une formation particulière pour être habilité à faire des travaux sur corde et surtout savoir utiliser tout ce matériel-là. Parce qu'il y en a pas mal. Ah oui, effectivement. Franck, préparation minutieuse. Hein, parce préparation que minutieuse. L'air de rien, c'est quand même, vous partez dans le vide, là. On part, oui, plein gaz. Là. Ouais, c'est un chouette moment parce que Il y a des efforts, il faut porter des sacs lourds, on est dans du terrain qui n'est pas facile, il y a vraiment un effort physique un peu tonique. Et puis après des moments très forts quand on arrive sur l'oiseau, donc là le poussin il a pile l'âge qu'il faut. C'est vrai que vous dites poussin. On dit poussin, oui. Eh ouais, même s'il est balèze, le poussin, on a l'impression de voir le bébé de la poule, c'est une grosse poule. Des bébés qui sont entre 6 et 7 kilos. Ah ouais, beau poussin quoi. Beau poussin, voilà. Ce site, si propice à la nidification des rapaces, rend le travail des gardes beaucoup plus compliqué. Car pour atteindre les nids installés à flanc de falaise, Germain et Franck vont devoir se lancer dans le vide. Oui, Franck, Germain, c'est Didier, en haut. Vous voyez quelque chose ? Où c'est que vous en êtes ? On va démarrer là depuis la tête verticale, on descend sur la terrasse. Ok, ça se passe bien. Oui, tout va bien.
vais le contourner un peu par le côté vallée, histoire que ils prennent pas peur. Toc toc toc. Avec de multiples précautions, les gardes posent deux bagues. Le numéro ? Y3724. La première, métallique, est gravée d'un numéro répertorié par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. C'est la carte d'identité du vautour. La deuxième, avec des lettres plus grandes, permettra une lecture de loin à la jumelle pour identifier l'oiseau. Ça, c'est l'âge idéal pour baguer. L'oiseau, il est solide, il est gaillard, il n'est pas trop inquiet. Par contre, le jour où c'est un tonique, c'est du sport. C'est plus sportif et il risque de vouloir s'échapper. Voilà, mais là, l'arme est tombée sur un brave gars, gentil comme tout. Depuis maintenant une trentaine d'années qu'on bague les oiseaux, on sait leur taux de survie, leur temps de survie adulte, leur temps de survie jeune, et on sait leur déplacement, on sait jusqu'où ils vont pour se nourrir, jusqu'où ils vont pour se déplacer avant de se reproduire. Donc c'est un petit peu le traceur ancien, parce que maintenant avec les balises on a d'autres informations. Cette réserve naturelle dans la vallée d'Ossau, elle a une importance parce que ces vautours, ils auraient pu disparaître. Mais la réserve naturelle en vallée d'Ossau, c'est l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour préserver cette espèce, là où elle a failli s'éteindre pour tout de bon en France. C'était la dernière population relique de vautours en France. C'est quand même, j'imagine, un motif de fierté pour toi et tes équipes de se dire que c'est un sanctuaire qui a eu une vraie utilité. Alors c'est un motif de fierté, puis une responsabilité, parce que nous ne sommes que le petit maillon d'une chaîne qu'on espère se voir se poursuivre dans le temps. Mais il va falloir aussi maintenir cette vigilance et ce patrimoine tel qu'il est. Si les vautours ont été sauvés de la disparition, c'est grâce à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. En partenariat avec les communes et les éleveurs, le parc national a par exemple mis en place des sites d'écarissage naturel. Les bergers viennent y déposer leurs bêtes, mortes de maladie ou de vieillesse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah, découverte ! C'est une placette d'écarissage officielle qui a été installée par les services de l'État, promue par le parc national et surtout avec le désir, la volonté des éleveurs de Biel et de Billière. Alors c'est ce que tu appelles l'écarissage naturel. Si jamais l'éleveur n'amenait pas la bête ici, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Eh bien, c'est le fameux écarissage industriel, officiel des années 1960, c'est là où il est apparu, qui va coûter du gasoil, qui va coûter de l'énergie, qui rend un très bon service, mais dans des endroits où il n'y a pas de vautours. Là où il y a des vautours, ben, le vautour est quand même beaucoup plus efficace. On peut dire qu'économiquement, c'est intéressant ? Mais économiquement, on avance le chiffre d'1 million d'euros d'économies produites par ce service écosystémique. Il faut préciser quand même que ce vautour, qu'on surnomme parfois l'éboueur des airs, il a une vraie mission dans ces montagnes. Eh bien, il a une vraie mission de purificateur, c'est-à-dire quand il y a des maladies qui surviennent sur une ou autre bête, lui, en nettoyant, en consommant ces bêtes très rapidement, il va éviter la propagation, la contamination. Donc il stoppe net, c'est un cul-de-sac épidémiologique. Tu vois, tout va s'arrêter net dans son jabot. Ça veut dire que les virus, les microbes, ça disparaît. Tout disparaît. C'est une belle invention, on peut dire, le vautour. Eh bien, c'est une invention de plusieurs centaines de millions d'années, oui. Faut reconnaître que lorsqu'ils sont au sol, en train de manger, c'est pas le plus glamour des oiseaux, mais en revanche, dans le ciel, c'est un seigneur, le vautour. Eh ben, c'est un seigneur, c'est le seigneur des airs. Après, au sol, c'est vrai que des fois, il fait penser un peu dindon, mais il est un peu pâteau, tu vois, quand il se déplace.
Mais après, quand il décolle et qu'il te regarde un petit peu par-dessus l'aile, comme ça, c'est vrai que c'est fascinant. Et puis, c'est vraiment le planeur. Tu vois, de tous les grands rapaces que nous avons ici, c'est vraiment le planeur par excellence. Il glisse dans les airs. Je ne sais pas si je vais utiliser le bon terme, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup d'affection pour ces oiseaux. C'est une vieille connaissance, cet oiseau. Tu vois, il était là avant moi. Moi, je suis arrivé, je l'ai rencontré quand j'étais berger en montagne. Je me suis pris d'affection. Et puis, finalement, j'ai travaillé un petit peu pour lui, avec lui. Et c'est notre porte, c'est ma porte d'entrée dans la conservation de la nature et dans la nature. Tu vois, pour un autre, ça va être des hirondelles, des tourterelles. Moi, c'est les vautours, parce que c'est les vautours, c'est notre quotidien. Donc, c'est, tu vois, c'est la fenêtre que tu ouvres sur un monde merveilleux qui n'est pas forcément le monde sauvage qu'on veut laisser à l'extérieur. Tu l'ouvres pour qu'il vienne vers toi, comme là. La montagne est un espace où depuis toujours cohabitent les animaux sauvages et ceux domestiqués par les hommes, notamment les brebis. On en compte plus de 350 000 dans les Pyrénées-Atlantiques, la plupart du temps dans des exploitations de taille modeste. Comme chez Régis Carrère, installé depuis 3 générations dans le village de la Reims. Salut Régis. Salut Eric. Alors, je te dérange en plein travail, là, mais c'est ça C'est l'heure de la traite, ouais, comme tous les matins. Combien de traites par jour? Ah, 2 traites, hein. Matin et soir. Alors, le soir, c'est plutôt 6h, 6h30. Et le matin, 6h30, 7h, j'attaque. Pour traire tout le troupeau, il te faut combien de temps? Ben, en moyenne, il faut 3h, 3h30 par jour. Pourquoi le choix de la traite à la main? Ça a une différence d'ailleurs sur le résultat final? Ben, la traite à la main, écoute, j'ai repris l'exploitation en 1998 et mon père faisait la traite à la main. Donc j'ai perpétué cette tradition-là et je peux me le permettre parce que c'est un petit troupeau. En fait, j'ai 130 brebis. Donc c'est pas la démesure, c'est à taille humaine. Donc c'est un plaisir et c'est vrai que au niveau de la qualité du lait, un lait qui est trait à la main, à la différence d'un lait trait à la machine, il aura plus de germes totaux, on dit. C'est-à-dire que la qualité du lait, il sera peut-être mieux ensemencé, il y aura des ferments naturels qui permettront de fabriquer un fromage avec peut-être un peu plus de goût et une authenticité, une richesse qu'on ne retrouve pas souvent voilà, quand on est en machine à traire. Et qu'il est beau, ce lait, la crème laquée sur le dessus. Ça, c'est un moussa, tu veux goûter? Ah ouais, je veux bien. Oh, c'est chaud en plus. Ouais, ouais. C'est mais bon. À 37, là, le lait sera 37. C'est génial. Alors là, je veux dire, ça vaut alors tous les petits déjeuners. Hein. Tu commences avec ça le matin, tu peux tenir, c'est ça? Ouais. Régis a aménagé une partie de la ferme en gîte pour proposer des séjours en immersion. Durant quelques jours, les vacanciers vivent ainsi à son rythme et découvrent son travail, comme par exemple la fabrication du fromage. Tu fais du fromage fermier, comment on sait d'ailleurs qu'on achète du fermier? Ben, le fermier, souvent, il est reconnu avec des marques, des symboles ou des initiales, des familles de bergers ou des bergers qui apposent ces marques-là sur le fromage et ça garantit vraiment la production fermière. Les gens que tu accueilles, ils découvrent un univers. Ça te permet aussi de faire passer des messages. C'est-à-dire, quand on voit ton travail, on comprend qu'un fromage fermier, eh bien, c'est un coup parce qu'il y a du travail et il y a une qualité à l'arrivée. Exactement. Voilà, ils se rendent compte des différentes étapes. Et c'est vrai que de 7h le matin jusqu'à 20h le soir, c'est vrai que c'est du boulot. C'est du boulot, mais à la fois, je dirais, c'est aussi une passion. Et j'essaie de transmettre ça à ces gens. Thank you.
pense que c'est important de préciser que vous autres, bergers, et vos troupeaux, vous êtes des acteurs extrêmement importants pour également préserver ce patrimoine naturel qu'on a autour. Ouais. C'est sûr, on vit dans un écrin de nature, hein, les vallées bernaises, en particulier la vallée d'Ossau, puisque j'y habite. C'est vraiment magnifique, tous ces paysages. Les Pyrénées ont été faites de la main de l'homme, de par les troupeaux qui transhumaient chaque été. Ben, ça a permis l'entretien de ces paysages magnifiques avec des étages de végétation où les gens se sentent bien et ce besoin de nature, on le ressent de plus en plus. C'est-à-dire demain, il n'y a plus les troupeaux aux estives, le paysage il change. On aura du bois partout. On aura du bois jusqu'à... Puis les belles prairies. Voilà, exactement. Si nous ne sommes pas là, alors les bergers, mais les vachers, les juments, on dit souvent qu'il faut les quatre dents sur une estive pour entretenir et qu'il y ait de belles pelouses. Et cette mosaïque de paysages, ben elle fait notre richesse patrimoniale depuis très 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 longtemps. Bon, j'ai envie de le goûter quand même ce fromage maintenant que j'ai vu la fabrication. On chine ? Allez, on chine. Alors, franchement, s'il fallait définir le bonheur, il est là, hein. Je t'ai rencontré, j'ai vu ces paysages, et bien il y a tout ça en fait dans ce fromage. C'est ça aussi le bon côté de venir voir les producteurs et de rencontrer les gens dans leur pays. Voilà, exactement. C'est la symbiose entre une race de brebis à Basco-Bernaise, un territoire et le savoir-faire des bergers. Nous partons maintenant en Vallée d'Aspe, où depuis 2014 a lieu un programme ambitieux, la réintroduction du bouquetin ibérique. Jérémy Bowen, garde-moniteur, prépare une sortie pour faire le point dans cette période cruciale qu'est le printemps. Dans quelle partie du parc on se trouve là, Jérémy ? Alors là, on se trouve en zone d'adhésion du parc national. Nous ne sommes pas en zone cœur. On se trouve sur la commune d'Acousse, donc qui fait partie des communes qui a adhéré à la charte du parc national des Pyrénées. On est à quelle altitude à peu près ? Alors ici, on est à 800 mètres d'altitude. Et on va à combien ? Autour des 1200 mètres. C'est à partir de cette altitude qu'on peut espérer commencer à avoir des bouquetins, ça ? Oui, voilà. Et puis, on est aussi sur un point haut qui permet une vue dégagée. Et avec une longue vue, et on peut commencer à avoir des bouquetins, oui. Donc on croise les doigts, on espère qu'on va en voir. C'est ça, mais on en verra. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Jérémy ? Alors là, je suis en train de localiser Babette. Babette qui est une femelle bouquetin, donc qui porte un collier GPS. Et grâce à cette application, j'arrive à voir les différentes géolocalisations. C'est-à-dire que les petits points jaunes, c'est chaque bouquetin ? C'est ça. Alors non, c'est pas chaque bouquetin, c'est chaque géolocalisation de Babette. Ok, à différents moments alors. C'est ça. Sachant qu'elle est géolocalisée toutes les heures. Un collier GPS, t'en as apporté voir comment ça se présente. Voilà, pour déjà se rendre compte du poids que ça fait. On peut voir. C'est pas rien. Ah ouais, quand même, voilà. Ouais. Et puis voilà, donc la pile du GPS, elle se trouve ici. Et en plus, on a une deuxième petite pile qui permet, une fois que la pile est usée, c'est-à-dire, normalement, c'est fait pour durer 2 ans maxi. D'accord. Et au bout des 2 ans, il faut pouvoir déclencher les colliers à distance pour qu'ils s'ouvrent. On déclenche l'ouverture à distance. Et du coup, l'animal perd son collier. Ah ouais, pour ne pas qu'il conserve un collier pour rien. Quoi. Et voilà, parce que c'est quand même une gêne. Et du coup, c'est dommage. Si la pile est usée et qu'il garde ça toute sa vie, bon, c'est quand même pas très, très éthique, quoi. Alors, parle-moi de ce bouquetin. Alors, le bouquetin, c'est un animal qui est plus massif que l'isard. Oui. Les mâles peuvent peser jusqu'à 90 kg, les femelles entre 30 et 60 kg. Très adapté au milieu montagnard, aux falaises. On le voit se faufiler dans des falaises, dans des parois rocheuses. On se dit, mais c'est pas possible, comment il fait pour tenir ? Et bien, lui, il passe parce qu'il a des sabots super adaptés. Ça veut dire qu'il occupe un espace particulier dans ces montagnes ? Ben, c'est surtout, oui, c'est un animal rupestre qui va occuper les cimes qu'on voit là. Se cacher pour la mise bas, chercher des recoins pour sa nourriture, etc. Donc l'hiver, il descend un peu plus,
Mais il reste quand même cet hiver, on a continué à avoir des bouquetins dans les parois là, rocheuses, même enneigées, hein, c'est pas un souci pour lui. Si j'ai bien compris, pas facile à voir, parce que bien évidemment, ils se font avec le décor, ça, avec le fruitiéreux. Et d'ailleurs, nous, c'est un animal qui, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a 2 ans, parce qu'il a été réintroduit ici en Vallée d'Aspe il y a 2 ans, on ne l'avait jamais vu, cet animal ici. Et donc, au départ, on était vraiment embarrassés, parce que autant les isards, on est habitués, on a l'œil habitué, on les voit, mais le bouquetin, par son mimétisme, son pelage qui se confond sur le fond de rocher, eh bien, on ne le voyait pas. Les derniers bouquetins présents sur le versant français ont disparu en 1910. Victime de la chasse, cette espèce emblématique des Pyrénées fait grâce au programme de réintroduction son retour. On compte aujourd'hui plus de 200 individus, dont une trentaine en Vallée d'Aspe. Les dernières saisons de reproduction ont été fructueuses avec la naissance en 3 ans de 49 cabris. Explique-moi, Jérémy, d'où viennent ces bouquetins qui ont été réintroduits? Alors, les bouquetins viennent de la Sierra de Guadarrama, qui est un massif montagneux au nord de Madrid. Donc, tous les bouquetins ont été capturés là-bas, mis en quarantaine pour avoir le temps de faire des analyses, des prélèvements sanguins pour voir si les animaux qui allaient être lâchés ici étaient sains, ne portaient pas de maladies particulières. Le premier lâché qu'il y a eu en Vallée d'Aspe, et puis tous ceux qui ont suivi, quand même, ça a dû être un événement pour vous tous. Ça a été un bel événement parce que mais voilà, c'est un animal qui avait complètement disparu ici dans les Pyrénées, que les habitants eux-mêmes ont oublié finalement. Et on a impliqué en amont la population locale et notamment les scolaires. On est passé dans les classes avant les lâcher, on leur a présenté le pourquoi on faisait ça et aussi pour les impliquer davantage. Tous les enfants ont été sollicités pour baptiser les bouquetins qui allaient être lâchés. En période de rut, ces montagnes résonnent à nouveau d'un son qui avait disparu depuis plus de 100 ans. Celui des joutes qui opposent les mâles pour la reproduction. J'ai assisté du coup pour la première fois à ces joutes, il n'y a pas longtemps en fait. Hein, sur fond de crête, là, sur fond de ciel, je vois ces deux animaux, là, ces deux mâles, un jeune et un gros, qui s'affrontaient comme ça. Et je me dis, c'était pour moi un moment unique parce que je n'avais jamais vu ça ici dans les Pyrénées, alors que ça fait 20 ans que j'y travaille dans ce parc. Et c'est une image qui était forte, quoi. Je me dis, waouh, c'est... Je regarde dans cette direction parce que au GPS tout à l'heure c'était localisé dans ce coin-là. Ah, attends. Là je crois que j'ai quelque chose. Ouais. Je regarde. Tac. Ouais, j'ai au moins 1, 2, 3. Ouais, j'ai au moins 2 femelles. Non. C'est vrai? Ouais, il y a des petits. Ouais. Tu peux voir? Ouais. Attends. Alors là c'est réglé pile poil. Faut pas toucher. Vas-y. Waouh! Tu vois? Ah, ça a fait quelque chose de voir un jeune cabri, parce que ça veut dire que ce programme de réintroduction, il fonctionne. Tu te souviens de la première fois où tu as vu un jeune? Ouais, c'était un moment fabuleux. C'était le 11 juin, je m'en souviens. Je vois une femelle comme ça, un peu comme ça, assez loin, couchée, dans son coin, mais seule. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et à un moment donné, elle se lève, et puis c'est marrant, je vois au sol quelque chose de un peu rond. Je me dis, mais c'est quoi? C'est un rocher, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, bon, je branche la longue vue dessus, et hop, à un moment donné, ça bouge. Wow. Et là il n'y avait pas 36 solutions, c'était un jeune. Ouais. Un jeune de quelques semaines. Hein, et donc du coup, probablement elle a mis bas à cet endroit. Elle est restée plusieurs semaines avec son jeune à l'allaiter. Elle est restée isolée, vraiment isolée des autres. Mais voilà, ça a été un moment fabuleux. Ouais. J'entends au son de ta voix que c'est quelque chose qui t'a marqué. Surtout que c'était un moment où, mais encore une fois, on n'avait jamais vu, nous, de bouquetins ici dans les Pyrénées. Donc c'était magique. Le fait de voir une naissance,
Puis c'est aussi la meilleure preuve du succès de l'opération, du lâcher, quoi. C'est... Merci en tout cas de cette belle balade et surtout de ces images que j'oublierai pas. Ça donne le sourire, on se dit qu'il y a des choses positives, c'est bien. Ouais, complètement.